Okay. Pourquoi j'ai cet écran-là? Alors, on est en week-end off. Du coup. Ouais, c'est le 13e week-end. Bon. Sais pas ce qu'on va faire du coup. N'a pas de course à licence. On a du Dallara Dash. Ah ouais, mais du coup, je sais pas quelle heure c'est. 10h. Ouais, Charlotte, ça peut être rigolo. Pick-up cup. 9h30. Ouais, sinon je fais celle-là, Daytona. Et après en road, qu'est-ce qu'on a? Pourquoi il monte cet écran-là, OBS? Faire autrement. Ça comme ça, hop. C'est mieux. Je sais pas pourquoi il monte cet écran là. Bref. Ok, donc on est en week-end off. Et du coup, qu'est-ce qu'on a en. Ouais, du coup, je sais pas où je vais aller rouler. Il y a celle-ci. Peut-être en road, ça peut être sympa de faire du road un petit peu. Ah, Imola, tiens. Ouais, bon, faut acheter le circuit, j'ai pas trop envie. Il y a de la Mazda Cup. À 9h30 aussi à Lime Rock Park, ouais. Non, ben on va partir sur Charlotte, je pense. Nürburgring. Compliqué le Nürburgring. Et là, on a. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, c'est toujours le Nürburgring. Ah, c'est l'Endurance. Ah, ouais, c'est la MX5, mais sur le Nürburgring. Ok, donc on va partir en. Alors j'ai la Dallara Dash à 10h.
Ok. Ok, j'ai du son, donc ça c'est cool. Par contre, j'ai pas plus d'infos sur la course, c'est dommage. On verra bien. Pour l'instant, on va un petit peu déjà recentrer la caméra. Faut juste que je sorte des stands, enfin que je roule un petit peu. Voilà. Et je pars en replay comme d'habitude. Mince. Mince, mince, mince. Qu'est-ce que j'ai fait? Des bêtises. Évidemment, pour pas changer. Donc, faut que je remette le replay. Alors j'ai la voiture qui s'est arrêtée, je sais pas ce qui se passe aujourd'hui, mais... J'ai des petits soucis. Voilà, replay. Contrôle F12. Et puis on va déplacer la caméra comme toujours. Voilà, comme ça, c'est très bien. Et on part donc en practice. Alors, j'ai juste une petite manip à faire avant. Si j'y arrive, bien entendu. Si j'y arrive, on pourra partir. Alors, j'espère juste que... Ça va aller. Voilà. Allez, go. Donc là, on est vraiment dans une course pour le fun. Par contre, je sais pas ce que j'ai foutu, mais... J'ai quand même un problème de caméra encore, je vais y arriver aujourd'hui. Hein. Je sais pas ce qui se passe, mais normalement j'ai la caméra hop, qui n'est pas tout à fait comme ça. Voilà. La fenêtre est un peu plus grande. Non mais en fait. Non, c'est juste que c'est zoomé. Hein. Alors, désolé, je dois repartir en replay. Voilà, cockpit, contrôle F12. Ah oui, mais c'est parce que c'est pas la même voiture en fait. Voilà, un petit peu plus basse. Comme ça, c'est bon. Ok, allez, cette fois, c'est bon. Alors, on est en week-end off, donc du coup, une petite course tranquillou. Voilà, petite course tranquillou. Ici, on ne joue pas pour la licence, donc on va
va essayer de faire une course propre, mais on va quand même prendre des risques un petit peu, hein. Histoire de s'amuser un peu avant le retour aux choses sérieuses la semaine prochaine. J'espère en catégorie C, évidemment. En principe, pour catégorie C, je serai justement sur cette voiture. Si je monte en catégorie C, je serai bien ici en pick-up, si je ne me trompe pas. Une saison complète. Une voiture fort sympathique à conduire. En principe sur quand même des speedways, peut-être un ou deux short tracks dans la saison, mais en principe c'est quand même sur le circuit rapide. Alors j'aurais bien voulu moi rouler un petit peu avec, avec une autre voiture, histoire de faire du draft. Alors début de la course dans un quart d'heure. En attendant, on essaie de se familiariser un petit peu avec cette voiture. Alors ce que je peux faire à la limite, c'est ralentir. Ouais. Je vais ralentir un petit peu, puis je vais attendre Johnny Brandon. Histoire qu'on roule à deux. Bien qu'il accélère un peu, parce que moi je veux bien l'attendre, mais pas que je sois trop lent non plus, sinon il va me doubler et j'arriverai pas à me mettre dans le draft. Il y a un pilote qui sort là aussi. Oh là là, je vais toucher le mur. Ah, je regarde dans les rétros, du coup j'ai pas fait gaffe. Ouf, alors que ça tapait très fort devant. Pilote en perdition là dans l'herbe. Allez, on a un pilote à... Ouais, mais là je reprends de l'avance, donc je sais pas ce qu'ils font. Je le vois dans les rétros. Donc on va le laisser. On va reprendre un peu de vitesse pour pouvoir le suivre. Oh, j'aurais voulu rentrer au stand. Non, c'est bon. Allez, il y a une seconde 7 derrière moi. On va pouvoir rouler à deux, faire tomber un peu le chrono, hein. J'étais à 51. Voilà. Oh, il vient vite. Allez, faut se mettre dans le draft. On est pas mal. Un peu loin, mais ça va encore. La preuve, hein, c'est que on accélère. Zigzag, hein, pour que je perde un peu le draft. Oh, et un autre pilote qui s'engouffre. Une fois on est dedans, hein, mais presque 300 là. 293. 195. 196. Ah, je tape le mur, mais c'est pas vrai. Je suis fait un peu déventé.
Chrono à 49, hein, du coup, 49,6, on a gagné une seconde, presque 2 secondes même. J'ai un peu perdu le contact. Alors que le train fait effet puisque je suis à 293. 395, ouais, c'est bien ça. Je devais encore descendre le chrono, je pense. Surtout si j'arrive à éviter le mur. Ils sont loin. Ouais, je pense que je devrais améliorer. On est à 49,6. Mais amélioré de 7 dixièmes. On bénéficie toujours du draft. Pas autant que voulu, mais. 15, 16. Dommage, je serais même temps un peu plus proche, on pourrait atteindre les 300. Alors, on est à 48,9. 48,7, ouais. Donc forcément, ça va un petit peu. Là, on est monté à 300. Donc là, on pouvait descendre un peu le chrono, je pense. Du coup, il s'est calé derrière nous. Il a bien raison. Alors, 48,7. 48,6. Travail au dixième, c'est. L'autre pilote qui est plus vite que nous, forcément, il est derrière. Ou alors qu'il y a eu de la fumée là sur la piste. Et on nous fait l'extérieur. Why not? Allez, on va se mettre derrière lui. Histoire de gratter un peu, on était en 48,674. Ouais, 49, oui. J'ai perdu le draft avec les pilotes de devant, mais là je suis derrière lui, donc c'est bien. C'est vraiment la spécificité d'un NASCAR, c'est vraiment travailler à plusieurs sur les circuits très rapides. Un peu comme des cyclistes. Histoire de céder, aller plus vite ou au pire de moins accélérer et de garder la même vitesse, histoire d'économiser un peu l'essence. Alors 49,6, je crois que c'était la meilleure. 49,5. Meilleur chrono, 49,5. Rapide à deux. Je pouvais le pousser un peu, mais j'arrive pas à aller plus vite en fait. Peut-être dû aussi au différentes touchettes là contre le mur. Oula, ça a tapé devant. Pilote, pilote, pilote. Ouf.
si ça aurait été une course pour la licence, peut-être relâcher le pied un petit peu. C'est dingue, j'arrive pas à aller plus vite. C'est bien, ça apprend. Oh, on apprend. On roule comme ça, on apprend. On essaie de garder une ligne. Même si là les chronos ne sont pas top. C'est Sven qui est devant nous. Hop, on passe à l'intérieur. Oh, il a lâché, c'est dommage. Allez, on va faire pareil. On va rentrer au stand. Bon, bah voilà, c'était sympa ce petit. Mon box, il est là. Ok, ah ouais, il y a quand même pas mal de réparations. On va aller voir dans les garages si ma souris va bien répondre. Alors garage, qu'est-ce que ça dit? Il n'y a pas grand chose à changer, hein. On est en truc fixe. Donc, du coup, si on peut pas changer grand chose dans les garages, je vais peut-être essayer en mettant. Monter un peu la. Mince. Monter. Ah, mais non. Monter un peu. Ah oui, mais d'accord. Ah, mais on peut pas monter la pression des pneus. Ok, donc ça on peut pas jouer là-dessus. Peut-être diminuer un peu, non. Bah, on peut rien changer ou quoi. Front brake, ça me sert à rien. Non, bah, y a pas grand chose à faire. 48,6. Ok. Allez, on va repartir. Allez, go. Il faut que je me trouve toujours tout de suite un petit collègue. Oh. Ah, ça roule vraiment à deux. Hein. Allez, on va attendre. Ça revient derrière moi là. J'ai l'impression de les rattraper. Est-ce qu'il n'y aurait pas eu un crash devant? Allez, j'ai un pilote qui me rattrape là, c'est bien. Il y a 4 secondes. Secondes, 3 secondes. Ah non, il s'arrête. Il s'arrête au stand. Ouh, alors que là, il y a eu un beau crash. Parce que. Non, je vois pas de pilote, d'autres pilotes derrière moi là. Ce serait bien que. Qu'il y en ait un qui me rattrape. C'est
histoire de faire le draft. Ah, voilà, on pilote à 3 secondes. On va reprendre un peu de vitesse quand même. Il y a 2 secondes. Seconde 7. Une seconde. Donc là, il est dans mon inspi. Rouler avec moi. Ah, c'est l'heure d'aller en course. Wow! Allez, c'est pas grave. On contrôle. On apprend aussi à contrôler la voiture. Ok. Allez. Sympathique là, pas de pression cette semaine. Ok, nous voilà Daytona. On part tout de suite en practice. Alors évidemment, vu que c'est une nouvelle session, je vais devoir régler à nouveau la caméra. On part en replay. Contrôle F12. Et voilà. Allez, go. J'ai eu des pilotes qui sortaient là, mais ça va être dur de les rattraper là pour rouler à deux. Oh là, j'ai des pilotes qui viennent très vite derrière moi. Je sais pas si je vais réussir à me mettre dans le draft avec eux. On va tenter. Voilà, ils me passent là à gauche. À la droite. On a deux, hein? Ouais. Ah, ouais, je suis pas encore assez rapide. Ah, oh bah, d'accord. Bon, bah, on part direct en qualif. Allez, go. Donc là, qualif, y a pas le choix. Deux tours à fond. Allez, chrono est parti.
Donc là, je sais pas, hein, vraiment pour gagner du temps, ça joue vraiment sur la trajectoire, je pense, parce que je suis pied au plancher, à fond de balle, quoi. Allez, encore un tour. Celui-ci, il est fait en 50,8, ce qui est vraiment pas top. Je vois pas du tout où je peux gagner des dixièmes. Hein. Voilà, on termine la qualif. En 50,5. D'accord. Pourquoi pas? Ça m'a pas l'air d'être un chrono. Très intéressant. Alors, au niveau des résultats, ouais, voilà, on va être plutôt milieu fin de peloton. Bon, allez, 1:30 et puis ce sera le début de la course. Alors, encore 40 secondes, on sera une vingtaine de pilotes, voire un peu plus. Je vais partir aux alentours de la 15e place. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. On va essayer de faire quand même un bon résultat, prendre des risques, mais pas trop. Allez, on se met en gris. Alors, on part bien 16e. Et il y a 27 pilotes inscrits. Ok, et on part pour 10 tours. Bon, donc en petit format, certainement pas de drapeau jaune encore. Good luck, everybody. I'd just like to say that I would like to see lap 8 for the first time today. Yeah, that would be something. Yeah. No, Colin, not at all. Yep, good luck, guys. Good luck. Yeah, good luck from the flurries of Portland, Oregon. That's ash flurries. Good luck, everyone. Allez, ça va partir. 30 secondes. Good luck.
Allez, on a mis la première. Et ça va partir. Le Pescar va s'élancer. Allez, go! Espérons que ça se passe bien. Au moins dans ce tour de chauffe. Alors j'ai vu un pilote passer tout le monde comme un cinglé, super. Allez. Je pense pas qu'on soit vraiment 27 pilotes. Tout le monde n'a pas dû venir, mais en tout cas, on est plus d'une vingtaine, ça c'est sûr. Ça a l'air bien nerveux devant. Il faudra se méfier du Big One au départ. Allez. Dernier virage, ça va partir. Allez, ça va devenir vert. Oula, il y a un pilote qui joue à son ponton là. Allez, ça va être going green. C'est vert. Allez, c'est parti pour 10 tours. Je vais tout de suite passer la 3, du coup je suis un peu lent, mais c'est pas grave. On se met à l'intérieur, ouais. Juste là, je peux peut-être remonter, clear outside, mais ça descend, donc c'est bon, je vais pouvoir mettre dans le draft derrière le Florida là. Ouais, départ très propre, pas trop remonté, c'était des pilotes à ma droite, c'est clear. Allez, on est à 305. Départ très très propre, ça c'est bien. Si on peut le bumper un peu, on est à 312. Wouah, crash, 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 crash. Mais les mecs, je comprends pas. Je comprends pas, vraiment je comprends pas. Voilà, il y a eu de l'esquive quand même. Il y a eu de l'esquive. Mais encore une fois, je... Ah ouais, mais la voiture tire à droite là. Encore une fois, hein, je crache devant, je freine et on vient de taper. Bon, dommage. Les mecs se rendent pas compte qu'il y a un crash devant, qu'il faut peut-être ralentir, quoi. Du coup, j'ai un pilote juste devant, là, je vais essayer vraiment de me mettre derrière lui pour gagner en vitesse de pointe. Il est vraiment très lent, il a dû prendre plus cher que moi encore. Ouah. Deux roues sur la partie plate. Ah, je pouvais pas rester derrière lui, hein. Il était vraiment trop lent. Le problème c'est que je suis tout seul là et forcément je peux rien faire. Forcément, je peux rien faire. Je
perds un temps fou là. Alors j'attends le pilote là qui revient sur moi. Je vais ralentir un peu. Espérant qu'il arrive à me rejoindre. Ah non, il est vraiment trop lent, désolé. Apparemment, il y a des pilotes qui ne sont pas très contents, mais il y a de quoi, hein. Allez, on est 11. Bon, je rattrape apparemment le numéro 10. Le 10e plutôt. Oui, mais là, à mon avis, il rentre au stand. Ouais, il rentre au stand. Je vais rester en piste. Allez, il reste 5 tours, 10, on est parti 17 ou 16. Là, je peux strictement rien faire. Il y a le 12e là qui revient sur moi. Ouf. Great job, man. Et le 11e est à 2 secondes, mais ouais, il me rattrape pas. Il y a un pilote qui sort des stands, mais à mon avis, il sera beaucoup trop lent. Ouais. Je sais même pas s'il sort vraiment des stands. Ou alors que le numéro 7 ralentit fortement, donc soit il a tapé, soit il rentre au stand. Là, il y a de la fumée, à mon avis, il a dû aller taper. Encore une ou deux places de gagner. Ouais, on est 9. Oula. Wouah. Sérieux. Allez. On prend un petit peu de vitesse en se collant derrière lui. On est toujours 9, c'est le 10e qui est devant nous. Et à mon avis, c'est cuit, on n'arrive pas à aller beaucoup plus vite. On aurait eu encore quelques tours, je dis pas, mais là. Je pense que c'est mort. On va quand même essayer parce qu'on se rapproche bien. C'est pas mal de le doubler dans le dernier virage. Oh, il commence à clignoter devant moi. Alors on est à 2 dixièmes. Ça va être chaud. Ah, il laisse la porte ouverte. Alors il recoupe juste devant. À descendre. Je l'ai bumpé, mais
Drapeau blanc, dernier tour. Je sais pas où il a disparu, il est là. Ah non, c'est mort, je pense. Allez, on est dans la ligne arrière, ligne droite arrière. Ouais, allez, casse le draft. Ah, je peux vraiment rien faire. Crash devant. Ah non, j'aurais pas pu. Et ben voilà, il finit devant moi. C'était sympa ce petit draft. Wow, oh, bah oui. Oh, l'esquive. Bon bah c'était bien, on a fini 8ème quand même. Malgré le crash. Alors, on va essayer de voir un petit peu le départ, ce qui s'est passé. On va se mettre en TV2. Bon, là, j'ai déjà... Voilà, ici. Il y a un crash devant, j'ai freiné. Là, je suis monté un peu haut, ouais, voilà. Là, il y a eu le crash. Ah, ouais. Oh, puis là, je suis bien... Je suis quand même bien passé, hein, parce que... Ah, en fait, c'est ici quoi. J'ai freiné, mais je suis redescendu. En fait, j'ai pas tenu ma ligne quoi. J'aurais dû. Ouais, mais quand on voit le pilote derrière. Parce qu'on voit que le 388 et puis l'autre derrière lui. Donc, sont un contre l'autre. Et on voit que tout d'un coup il y a un gap qui se fait là parce que lui freine, l'autre de derrière freine et l'autre, le 388 ne freine pas. Et voilà, et bim, c'est l'autre qui vient me taper en fait. Et le pire c'est que lui, l'autre il est passé quoi. Bon, petite dernière en poursuite. Alors, c'est où? Non. En chase. Le bam! Ah ouais. Et là, wow. Je voudrais quand même voir le mec qui me tape là. Est-ce qu'il était en freinage? Il m'a bien défoncé l'arrière de la voiture. Hop. Donc le pilote. C'est bien lui. On va regarder cockpit. Devant, ça a bien tapé aussi. Ah, je vois pas si il est en accélération ou pas. Ah non, il accélère clairement. Clairement, il accélère. Là, il réaccélère. Donc, il a 200. Ouais.
On entend bien le bruit du moteur. Voilà, tape, il passe entre les mailles du filet, quoi. Ah, c'est abusé. Pas très rapide à mon avis, ce moteur a dû prendre cher. Oh, il est à combien là? Il est à 240, forcément le moteur a pris cher. Il rentre même au stand quoi. Donc, lui c'est le numéro 77, puis on va voir où il a fini. Allez, on quitte la course. Search Daytona. Alors, il a fini 10e et moi j'ai fini 8e, d'accord. Bon, bah c'était sympa. Alors, est-ce que je peux faire encore une petite course dans une autre série? Dalaradash, c'est quoi? C'était celle-là, 10h? Ah oui, dans 3 minutes. Allez, on part sur du Dalara. Hey, salut Maga, comment tu vas? On part sur du Dallara à Charlotte. Voilà, l'écran se charge, enfin la session se charge. Allez, on t'a Lara. Je règle à nouveau l'écran, bien entendu. Comme d'habitude, on part. On sort des stands. Et on va partir en replay. Ok. Donc, contrôle F12. Hop. Par contre, pour les rétros, alors ça c'est bon. Ok. Ça devrait le faire comme ça. Ouais, allez, c'est bon. Donc là, ça va être un peu plus speed.
Bah ça y est, on va devoir rejoindre tout de suite la course. On n'a pas eu le temps de faire un tour. Allez, on va faire une jolie figure pour finir. Bah là que je veux faire des figures, j'y arrive pas, tiens. C'est incroyable. Allez. On part en week-end de course. Ok, bon bah encore une fois, je pense la caméra à régler. Allez, go. Allez, encore une fois. Alors, contrôle F12. Voilà, c'est bon comme ça. Et on peut commencer. Allez, on va essayer de se trouver un autre pilote pour drafter. Oh! Oh là là, bah oui, mais ouais. Ça aurait pu faire un beau crash, dommage que ça a coupé. Allez, on part en qualif. J'ai failli la perdre. Fait 24 998. Et là 24 924. Ça va très vite, hein.
Ok. Où est-ce que ça nous place ça? Dernier quasiment. Super. Allez. Putain, on est avant-dernier quoi, enfin quasiment avant-dernier. Super. Allez, encore 30 secondes et on pourra aller en gris. Vingtaine de pilotes, ça c'est bien. Ok, on est 17e. Apparemment 19 pilotes. Thank you, Thomas. Good luck, everybody. Good luck, everybody. Good luck, guys. Good luck. Let's have some fun. Allez, c'est parti pour 30 tours. Ah oui, quand même. Bon, c'est vrai que ça va vite. Quand même 30 tours. Espérant qu'il n'y ait pas de crash. Au moins au départ, quoi. Thank you, Juan. Bon, c'est quand ils veulent, hein.
quoi ils veulent. Ah voilà, j'ai mis la première. Ça va partir. On peut même se mettre en troisième là. Wow. J'ai failli déjà faire un carnage. Pas l'air d'avoir de grand nerveux dans le peloton, donc on va éviter de faire des conneries. On part 17ème sur 19. I mean, it was pretty bad the last time we were there, but... I'd like to see him at Daytona, too. Il y a beaucoup plus de monde devant nous que derrière. Get ready, going green. Allez, ça va partir. Quand même, je reste au contact. The pace car is in. Allez, c'est parti. Il y a déjà un pilote qui part à la faute dans l'herbe. Donc on part 17ème. Waouh, wow, déjà des crashs. Non. Oh là là là. Encore une fois, de la survie, on a bien évité là. Et on a dû gagner au moins 3 places, 3 ou 4 places. Et voilà, encore des crashs à gauche, à droite, des tonneaux. On est déjà 13, ça tape devant. Il y en a partout. Hein. Pff, en un tour, on gagne 7 places. Pff, ouais, on a fait tout perdre en mettant un pneu sur la partie plane. Je pense qu'on rattrape doucement le pilote devant nous. Alors, on est 9ème et le 10ème est juste derrière nous, dans la spi. Il va falloir faire gaffe un petit peu aux attaques. Alors qu'on roule ici à 340. Ah, il essaye à l'intérieur. Allez, on laisse la porte. Non, il n'y va pas. Waouh, 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 gros crash, waouh! Ah bah ouais, non, c'est pas possible quoi. Oh, oh, oh. Ouais, ouais, non, c'est pas possible. Oh, j'ai détruit la voiture quoi. Putain, j'ai pris le mec à pleine vitesse quoi. Oh là là. J'ai pris le mec à pleine vitesse. Bah, la course est terminée là. Combien de pilotes sont au stand quoi, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Why is it after I've been wrecked and I get back out on the track, nobody ever wrecks in front of me again. It's very weird. Ah, j'ai une réparation rapide, ça c'est cool. Du coup, je ressors tout de même. Thank you, man. I appreciate that. Je
ressors tout de même 9e apparemment. Ça serait cool. Par 8e carrément, ben, d'accord. Je rentre au stand et. Ah, mais il faudra voir ça au ralenti parce que c'était quand même assez incroyable. J'ai dû le taper à 340. De toute façon, j'étais à fond. Alors, c'est bien, on est 8e. Maintenant, on va voir où est le 7. Et on est 6e! Bah d'accord. Donc on peut peut-être espérer faire un top 5. Et surtout qu'il reste 22 tours. Hein. Là, on a le troisième qui est à 10 secondes. Donc, un tour de retard. Faire attention au 7e qui est à 5 secondes 4 derrière. Et encore un crash là devant. Et on est 4e. Il reste 20 tours. On a le pilote au milieu de la piste. Merci. Il est dans l'herbe à gauche. Oh, le troisième doit être au stand là, vu la vitesse à laquelle je le rattrape. Ouais, il est au stand. On peut espérer lui prendre sa place. Toujours pas récupérer sa place. Wow. Pas trop regarder le classement parce que je vais finir dans le mur. Et on est 3e, ça y est. Pilote très lent là. Alors où est le deuxième maintenant? J'ai le premier derrière moi. Qui remonte sur la piste alors que je suis à 340, je dois être à peine à 200. Oh là là, je vais y partir tout seul là. Il y a encore de la fumée, encore un pilote dans l'herbe. Il faut que j'arrête de couper le virage parce que je vais vraiment finir par exploser la voiture dans le mur. Le leader est toujours à 2 secondes 2 derrière.
je ne sais pas où est le deuxième. Sûrement loin devant. Pilote arrêté là en bas à gauche. Allez, encore 10 tours. Toujours de la fumée. Ah, le pilote qui est très très lent là. Non. Putain, c'est pas vrai. C'est pas possible qu'ils disent au moins où il va. Ah, du coup ça va être chaud de défendre ma troisième place. Allez, reste 10 tours. On a perdu 10 km/h là quand même. Ah, quoi que ça va. Ah, le deuxième est derrière moi aussi, ouais, donc la deuxième place, c'est même plus. Oh là là, des voitures qui volent sur la piste, mais c'est pas possible. Ok, donc la deuxième place va être impossible, on va juste défendre. Ah, il y a un pilote derrière moi. Vas-y, passe mon grand, t'es retardataire de toute façon. Clear inside, je sais pas où il a fini. Ouais, on va surtout essayer de survivre jusqu'à la fin. Allez, il va rester 5 tours. Peut-être même moins, vu que j'ai des tours de retard. Waouh, il est à l'intérieur là. C'est sûr. Allez, on va profiter de son inspi. Oh, les zigzags, c'est incroyable. Deux tours. Et dernier tour. C'est pas possible. Oh là là, c'est pas vrai. J'étais deuxième. D'où il est sorti celui-là? Hey James, you know, you hit me once to knock me out, and then I come back out, and then you hit me again. You know, first time I thought it was just accident, but it happens twice, and you think it's maybe intentional. Oh, sérieux? Je l'ai pas vu arriver, je sais pas d'où il est venu celui-là. Merde. Je sais pas du tout d'où il est arrivé. En tout cas, j'étais deuxième. Second, really guys, really second. I got fresh up the top.
Je l'ai pas du tout vu arriver. Voilà. Bon, d'accord, je vais juste revoir le premier tour, ce qui s'est passé. Non, c'était... Ah oui, quand j'ai eu le crash, ouais, ça doit être là, au tour 4. J'ai tapé la voiture à 340. Ah oui, c'était là. Oh. Aïe, 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 aïe. Incroyable. Qu'est-ce qu'il faisait aussi au milieu de la piste, le mec, quoi? Ah, il venait de taper, en fait. Oh là là. L'autre aussi l'a bien pris, hein. Taper tout seul comme un grand. Ah non, il est hors bataille. Ah, il l'a poussé quoi. Ah pauvre. Ah, il se viande. Il est déjà dégoûté. C'est vrai que la voiture avait pas pris trop cher. Et là, fouah. Ah, c'est abusé. C'est abusé les crashs. Et tiens, le mec qui l'a tapé d'ailleurs. Ça c'était moi. Et l'autre il vient. Ouais, lui aussi il a 320. Ouais, 320. Il a dû bien rire quand il m'a vu, vu qu'on était en bataille, quand il m'a vu aller percuter l'autre. Là. Sa voiture a pas grand chose à lui. Hein. Bon, bah voilà. J'ai fini combien du coup? On termine 6e. Alors j'aurais pu être 2e. Ouais, il y a eu des rookies quoi. Pourquoi j'ai cet écran là quoi. C'est fou ça. Bizarre. Bon, bref.